Et salut, salut! Hop, allez, on se retrouve pour un nouvel FPS. Pour la journée. Nous allons découvrir la campagne de Battlefield Hardline que je suis complètement passé à côté à l'époque. J'ai jamais été très BF, ça va être carrément le premier BF auquel je joue. Allez, on va découvrir cette campagne solo ensemble. Voilà. Et voilà. Tu sais même pas si encore des gens qui jouent au multijoueur dessus là. T'en fort. La faute, voilà. C'est ce qui est bien avec ce genre de jeu, c'est que ça ira vite. On y va. Tout est en ordre sur le stream aussi. Bonsoir. Régler les Regardez options les et se dire. paysages de notre belle nation tant que vous le pouvez, gentlemen. C'est la dernière fois que vous en profiterez avant longtemps. Nicolas Mendoza. Putain. Un type comme toi, t'as dû bien merder pour atterrir chez moi. Ouais, vous feriez mieux de sécuriser votre arme avant que l'une de ces charmantes personnes ne vous la subtilise. C'est un plaisir de voir des flics pourris échouer dans mon bus. C'est une preuve que le système fonctionne. Quelque chose me dit que t'es pas pourri, mais que t'as surtout été accusé à tort de quelque Profitez chose. des voyages, inspecteur. La gueule le plus fort, hein, un inspecteur de parmi les prisonniers. Ok, c'est là. Ça devrait pas prendre longtemps. Je te propose de coffrer ces mecs et de se poser pour crailler. Ouais, d'accord. Je connais un Cubain pas trop mal, un peu plus long. Cubain, sans déconner, Nick, t'es aux mœurs maintenant. Tu peux te permettre mieux que des faillots et du riz. T'es sérieux? Des faillots et du riz? Je crois que je vais commander pour toi. Tiens, j'ai une idée. C'est moi qui choisis le restaurant. Hein? Je te promets, les bananes plantains, c'est définitivement terminé. T'as déjà mangé Cubain? Je crois que tu devrais mener l'opération cette fois, d'accord? Sois autoritaire, vérifie tes angles morts, trouve notre type et on les met à genoux avant que quiconque puisse sortir son canon. Ouais, j'ai déjà fait ça. Je sais, mais pas avec moi. D'accord, on y va. N'oublie pas de faire ta grosse voix. Police! On va rentrer! Police! Personne ne bouge, personne ne bouge, mettez vos mains en évidence! Levez les mains, je les vois. Allez, les mains en évidence! Reculez, éloignez-vous de la table! Frappez à la bonne porte. Putain, c'est pas vrai. Et si tu m'enlevais cette lumière de la gueule, il faut qu'on se casse. Et tu veux m'en service? Ok. Garde les mains sur la tête et tourne-toi doucement. Lentement. Vas-y, tranquille. Tu fais une grosse erreur, mec. Tourne-toi.
et en douceur. C'est du grand n'importe quoi. Arrête, tu sais comme moi que c'est une putain de blague. Je serais sorti au petit matin. Truc de merde, tu sais très bien. Ah ouais ? Ce petit tas de con me dit. Ta gueule, enfant ! Laisse-moi, merde ! Bah merde, c'est vite parti en vrille. Putain, c'était quoi ce bordel ? T'as pas surveillé la porte ? Moi, je procède aux arrestations, et toi, t'es censé surveiller la pièce. Ouais. Ok, vérifie les corps. C'est de voir ce que t'es en train de trafiquer. Bingo. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a ? Logiquement, c'était pas une bavure policière. Tu la connais ? Non, cul-de-sac. Dommage qu'il n'y ait plus personne à interroger. Hé, hey, j'en avais ras le cul des burgers alors j'ai pris cubain. Quelqu'un a faim ? Hé, hey, tu bouges plus ! Poursuis-le. Oh, merde. Allez, vas-y ! J'y vais ! Reste où tu es ! Main en l'air ! Tu fais rien pour arranger les choses ! Putain ! Stoddard ! En bas, vite ! Maintenant, Stoddard. Ambiance très bad boy. Putain ! Main sur la tête ! Main sur la tête ! On tient, fils de pute ! Alors, c'est pas... Allez ! Tu as le droit de garder le silence. Oh, merde. Ah, tu le connais bien, ce truc, hein. Ah, Visceral Games, c'est même que chez Dead Space. Ça a l'air sympa. Bon, ça a l'air un peu dirigiste, mais bon, à mon avis, il aura peut-être des levels un peu plus longs et plus libres au début. Bizarre, c'était que le prologue en fait. Épisode 1, retour à l'école. D'accord, il y a des suspects à arrêter pendant les levels, enfin pendant les niveaux, d'accord. 5 suspects ont été tués et un autre arrêté lors d'une violente intervention de la police dans un hôtel de la ville. C'est le 4e incident de la semaine lié au trafic de drogue à Miami. Ici Sky 5 en direct du centre-ville pour une interview exclusive du capitaine Julian Dawes de la police criminelle. C'est une enquête en cours. Pas de commentaire donc ? L'enquête est en cours, c'est mon commentaire.
Sinon, j'aurais juste dit pas de commentaires. Où est-ce qu'ils sont tous passés? La guerre de la drogue, chef. Je l'ai vu à la télé. C'est reparti comme dans les années 80. Il va falloir que je ressorte les épaulettes du placard. Avec un t-shirt rose, j'espère. En attendant, Stoddard, vous êtes en mission spéciale. Inspecteur Mendoza et Dao, dans mon bureau. Pour plus de son, n'hésitez pas. Vous vous connaissez déjà? Le gars porte une veste en Kevlar dans le commissariat. Assis. Mets-toi à l'aise. Mendoza, vous avez récupéré plusieurs kilos de cocaïne aujourd'hui. Félicitations. Et maintenant, dites-moi pourquoi la coke est cachetée. La marque du fabricant, pour prouver qu'elle n'a pas été coupée. C'est exact. Et votre coke portait un cachet qu'on n'avait encore jamais vu. Votre suspect du jour affirme qu'il l'a obtenu auprès de Tyson Latchford, avec qui l'inspecteur Dao s'est pas mal pris la tête. Vous allez me le ramener par ici, histoire qu'on discute un peu. Monsieur, la dernière mission de Mendoza sur le terrain, si je peux me permettre, a été un gros merdier. Vous vous entendrez à merveille. Rompez. Juste pour info, je suivais la piste de Stoddard dans la chambre d'hôtel. Je dis pas le contraire. Mais trêve d'excuses, inspecteur. Non, non, c'est pas des excuses, c'est du contexte. Parle-moi plutôt de ce type, Tyson Latchford. Il vit de la coke corrigée aux incapables. Ces gars que t'as chopé. Tyson joue dans une autre dimension. Mais parfois, il fait un beau geste pour ses anciens compagnons de galère. Alors faudrait qu'on en chope un. Tu lis dans mes pensées, dis-moi. Hé, fais gaffe à toi ce soir. La guerre de la drogue, c'est pas détendre. Je suis au courant. J'ai perdu deux amis en moins de 6 mois. Des types en patrouille. Ouais, j'ai appris ça. Je suis désolé. Moi aussi. Miami part en couille. Ah, c'est pour ça qu'on est là, non? Pour faire le ménage. Stoddard avait raison sur toi. Comment ça? Il disait que tu kiffais le boulot de flic. Hé, inspecteur! Inspecteur! Oh, merde, pas lui. Pare-brise est sale, tu veux nettoyer? Wow, n'arrose pas mon pare-brise. Hé! Ok. Hé, si, filez-moi $5. Ok, je sais. C'est juste que je suis qu'un capitaliste. Je regrette, mon vieux, pas pendant le service. Ok, d'accord. Très bien. Allez, inspecteur, occupez-vous bien de notre quartier, soyez prudents, d'accord? Lol. Tiens, on n'est pas très loin du quartier où j'ai grandi. Sérieux? Belle ascension, dis donc. Laisse-moi deviner. Toi, tu viens de South... La police est soutenue, hein, attention. Pas du tout. Los Angeles, en fait. Orange County. Non. Oh. Beau déclin, dis donc. Il est beau et fluide, hein. Ouais. Une version PS3, on peut dire ça. Qu'est-ce qui se passe? Il a une ambiance. Une saisie de drogue, sûrement. Hé, j'ai pas dit que j'étais d'accord pour qu'on me fouille. J'ai des preuves contre toi, crétin. Pas besoin de ton consentement. Hé, hey, Guzman. Qui c'est, celui-là? C'est notre vieux pote, Hugs. Il avait un coffre bourré jusqu'à la gueule de Hotshot. Couchez-toi. Hugs, tu sais où est ton ami, Tap? J'en sais foutrement rien. Vous cherchez Tap? Ouais. Tu l'as croisé? Non, mais j'ai vu son pote Briggs traîner avec la bande de Taps sur la 12e. D'accord, Guzman. Merci pour le tuyau. Mmh. Bien vu, inspecteur. Putain de merde, ouvre-moi! Je suis chez moi! Je peux pas l'empêcher de m'envoyer des textos. Alors, t'as grandi ici, mais t'es pas né à Miami, c'est ça? Non, je suis né à La Havane. Sérieux? Comment t'es parti? Avec ma mère. Ferme-la, cousin, vas-y. C'est une femme sacrément résistante. Et ton père? Aucune idée. Ça doit faire au moins 20 ans que je l'ai pas vu. Putain, les enfoirés. On a mis autant de distance que possible entre lui et nous. Il est toujours à Cuba? À mon avis, il doit être mort. Et ça me va très bien. On dirait un vrai gentleman. Oh, il sortait du lot, y a pas à dire. Soi-disant parce que j'ai pas de preuves. Je veux dire, comment je peux leur fournir la moindre preuve puisque j'ai pas oublié la vie. Ouais, par exemple, ce genre de face, ça aurait été bien, ça aurait été... Nous aurait laissé conduire, nous. Ralenti. Ok.
Tout va bien, madame? Ce putain de couvercle rentre pas. Bonne journée, madame. Lol. Gueule. Tu veux que j'appelle du renfort, Mendoza? Ouais. Le PC pourrait nous envoyer une équipe du SWAT. Putain, mais fixe sur les victimes du sur les victimes de la ville, quoi. Bonne journée, madame. Ta gueule. Allez, si on débarque en caisse, on va foutre la trouille à tout le quartier. Ici, équipe 13, nous quittons le véhicule. La mairie a bloqué le quartier. Du coup, il n'y a qu'une seule sortie. Tu m'étonnes que les gens en aient ras le cul. Et ça, c'est pour sauter. Ouais. Le type qu'on recherche traîne dans le coin, en général. Donc je suis un petit peu libre, je vais faire un petit peu, vérifier que tout va bien. OBS, ça va. Super. Plus de son, n'hésitez pas. On a une mini-map. Que tu connais le quartier? Ouais, mais ça fait un bail que je suis pas venu. Je préfère te suivre. Ah, ils ont fait un body awareness pour le héros. Ouais. M'oblige pas à vérifier tes poches parce que je sais ce que j'ai dit. Ça se voit. Robin, dis-lui de se tenir à carreau. Et mets ça dans un sac. J'ai pas vraiment de sac. J'ai pas de sac. C'est vrai que c'est interdit, je pense qu'ici ils ont une loi comme quoi la bouteille d'alcool doit être remballée, enfin, autre part dedans. Ils ont une loi par chez eux comme ça. Fais gaffe à toi, Mendoza. Ce type est imprévisible. C'est interdit de boire en public, je pense, en plus. Enfin, de boire de l'alcool en public, c'est interdit chez eux. Vas-y d'abord, ce type me connaît. On peut faire ça comme si on avait toujours fait ça et en finir avec ça. Oh putain, on doit faire, on utilise notre insigne et tout. Vous pigez ? On bouge plus ! Vous voulez quoi ? Police de Miami, on a des questions à vous poser. Inspecteur, c'est qui lui ? C'est mon nouveau coéquipier, Briggs. On joue à qui sera le flic le plus méchant. Ton pote tape. Où est-ce qu'il est ? Va te faire mettre. Ok, on va laisser tomber les politesses. Nick, occupe-toi de lui. Attends, qu'est-ce que tu... Allez, dis-moi où est Tap et on te laisse filer. C'est de la brutalité policière, merde. Ce soir, il est au canapé, ok? C'est tout ce que je voulais savoir. Allez, Mendoza. Ne vous en tirerez pas toujours comme ça. Je connais mes droits. Quoi, on va simplement le laisser là? C'est pas très malin. Non. Mais je suis sûr qu'il a essayé de buter un flic infiltré l'an dernier, et je l'emmerde. Allez, le canapé de taper dans les logements d'Arcola. Il va pas s'éterniser. Ok, on a nos méthodes un peu... à nous. Oh merde, c'est le gang de tape là-bas. Vaut mieux pas qu'il sache qu'on arrive. Suis-moi. Inspecteur. Brave garçon. Ok, allez.
c'est bon. Vas-y, Carrie, passe. C'est très aimable. Désolée d'avoir dit que t'avais fait un gros merdier. Apparemment, ça n'a pas été facile. Mais t'as assuré. Qu'est-ce que tu penses de Stoddard, d'ailleurs? On n'a pas fait équipe longtemps. C'est une bête sauvage. Et sa cage est grande ouverte. On est très discret. N'oublie pas, c'est le territoire de Tap. Si quelqu'un nous voit, il saura qu'on est là. On a intérêt à se la jouer profil bas. Ok. Un truc pour faire diversion. Ok, comme là on n'a pas de cailloux, c'est des douilles. Lol. C'est quoi ce bruit? On dirait qu'un truc est tombé du toit. Je te préviens que si la clim nous lâche, je vais vivre chez ma sœur. Si ça se casse, je répare. T'as pas été foutu de réparer l'aspirateur. Sauver le chat. Tapez juste devant. Mais pas moyen qu'on passe ces deux types-là sans en éliminer au moins un. Qu'est-ce qu'on fout ici? Tu pourras les séparer? On est censé se prendre une balle pendant ouais, que tu se branle toute la journée? C'est débile, crois-tu pas? Notre homme devrait être juste devant. On cherche Tyson. T'es son nouvel équipier? Elle t'a déjà fait ça, des mots de karaté? C'est du Krav Maga, le karaté c'est de la connerie mystique. Tu me fais grave délirer. Tap et Tyson sont amis d'enfance. Deux petits blancs fans de ce ghetto. Tap est resté ici. Lève-toi, main sur la tête. Hé, oh. Hey, Tyson, où est-ce qu'il est? Il y a un paquet de monde qui recherche Tyson. Vous lisez pas la presse? Il cherche la discrétion. L'espérance de vie est en chute libre dans le business. Mais je vous apprends rien, je crois. Hein. Ouais, on s'est dit que tu pourrais nous rencarder à ce sujet. Vous vous trompez dehors la loi, inspecteur. Coffre-moi ce ringard. J'ai cru que tu demanderais jamais. J'ai la drôle d'impression que vous prenez un putain de pied à faire ça. Hein. Ouais, au début. Après, on s'en lasse. Là, je suis choqué, mon pote. Ah, oh, j'ai une ordonnance du Toubib pour ça, hein. Je sais que t'as un casier. Je sais que tu caches ta coke sous les poubelles du coin de la rue. Je sais que ton guetteur nous a vus et qu'il doit être en train de tout planquer. Et sérieux, il a l'air beaucoup trop jeune pour ce genre de conneries. Alors ouais, s'il faut t'embarquer pour détention de drogue, on le fera. Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste? Ça va, l'oreillette? Ouais, elle tient. Et le micro? Dis quelque chose. Salut, Syria. Bénédicte Arnold. Hé, hey, tête de nœud, t'es pas Bénédicte Arnold et t'es pas en mission d'infiltration. Tu entres, tu vois si Tyson est là et tu ressors illico. Ben tiens,
Si c'est si facile, pourquoi vous le faites pas vous-même? Pauvre, tape sur le scanner, Nick. J'espère que tu vas bien. Il ressemble à quoi, ton gars? Ton scanner est connecté à toutes les bases de données locales et fédérales. C'est Big Brother, inspecteur. Suis-le avec le scanner pour être sûr qu'il fait pas de conneries. Ça, mon pote. Allez, vas-y, juste un tout petit service. Lâche-moi, rentre chez toi. Mais quoi? Faut juste que je vois Tyson. Calme-toi, commence pas à t'exciter, cousin. Que passe-t-il? On y est. Allez, tape. Mène-nous jusqu'à Tyson. On sait comment ça se termine ce genre de chaque fois de mission, et toujours par tes fracas. Ce truc est équipé d'un micro-canon numérique. Scanne la zone et écoute. On grandit. Arrêtez maintenant. Hey le flic. C'est super tendu ici. Est-ce que Tyson est là ou pas? Ouais, je vais lui parler. Compris. Conneries, ça, mon pote. C'est des conneries dans les années 80. Ouais, je suis très fatigué, si je baille beaucoup, j'ai un peu mal. Tyson est juste là. Je te donne 5 minutes. Parfait. Tap. Qu'est-ce que tu fous là? C'est Tyson. Scanne-le. Voir si tu pouvais me dépanner. On a besoin de prouver qu'il était ici. Merde. J'ai pas de ligne de mire sur Tyson. Bah, qui t'entend rien à rien. Il va peut-être bouger. Amuse pas à me chercher comme ça. Ça crasse sévère en ce moment. Tyson. Une toute petite. S'il te plaît. Ok. Assieds-toi. Je vais voir ce que je peux faire, d'accord? No problemo. Y'a pas de lézard. Ok, pas de soucis. Attends une petite seconde. C'est qui ça, putain? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Essaie de scanner autant de mecs que tu peux. Oh merde, ils en ont après Tyson. Allez, faut le rejoindre, tout de suite. PC, ici l'équipe 13, on a des coups de feu, on attaque. Échange de tir à l'angle de la 3ème et de la 33ème, toutes les unités en alerte. Allez. Putain. Je te couvre. Mais c'est qui ces mecs? Arrête ces types. Il paraît que Nels a engagé une équipe de Juarez. Juarez? Tu crois que Nels va ramener des mecs de Juarez? L'Atlanta, je veux bien, mais pas du sud de la frontière. Mais cela ressemblait pas aux hommes de Nels. Eh? Attends, mais j'ai pas d'armes.
Attends, bouge pas. Ces mecs qui tirent à tout bas, d'où ils sortent? J'en sais rien. Ça doit être les mêmes tarés qui attaquent tous les gangs de la ville. Allez, Nick, passe-lui les menottes. Enfoiré de flic! Taille! Je te couvre, Nick. Donner un coup de matraque. Je crois que je le connais, ce type. Scanne-le et regarde s'il est recherché. Les mains en l'air! Bien en vue! Ok, ok. On se calme, mon pote. Je savais qu'il avait un casier. Passe-lui les menottes. C'est bon pour nous. PC, envoyez le fourgon. C'est là. Je dois voir quatre pas, alors ça doit être toi. T'es stressé, t'as pas l'air bien. On a de la place pour récupérer d'autres flingues ou c'est un flingue à la fois monsieur? Oh non, c'est une arme de poing, d'accord. Oh les escaliers. On est bon, on monte à l'étage. Tyson devrait être par ici. Dégagé. Vérifiez les salles de classe. Compris. Scanne pour voir s'il y a des indices qui peuvent nous faire remonter jusqu'à Tyson. Ah, je sais pas, c'est très ambiance policière. Je ne sais pas si on peut. Ah, pour l'instant, je vois que je peux juste. C'est vraiment la première opération un peu où je peux tirer, que je commence un peu à être libre. Ok, je
peux analyser des trucs avec mon téléphone. Des indices. D'accord. C'est un bon début. Oh, le vieux burger. D'accord. Arme principale. Oh. D'accord. Il y a placement pour ton pistolet. Ah d'accord, je savais pas qu'il y avait une option, on pouvait faire ça. Petit arsenal sympathique, mais apparemment je peux encore rien avoir. Bon, ils ont pas mis des armes de gueudin non plus. Ah si, j'ai rien dit. Quelques-unes quand même. Oh d'accord, faut carrément avoir des M16 quoi. Oh, ils se fournissent sous la police là, G36. AKU-74. Wow. On est sûr que t'es flic là parce que on est en ville hein. M249 voilà. Les accessoiriser et tout dans nos flingues hein, c'est chouette. Ah d'accord, il me donne quand même des pistolets. Ouais, une arme qui me corresponde bien. Nous avons le P. Le P. Ouais, le FAL, une arme belge. Le Colt 1911, ça c'est pas pour un flic. Ouah, des artilleuls encore moins. Bah dis donc. Je suis flu, voilà, pour sa police. L'arme réglementaire, logiquement, de la police, c'est le Glock. Voilà. Joli. Souviens-toi, si ça se met à biper, ça veut dire qu'il y a un indice pas loin. Voir ça. T'as trouvé Tyson? Ce bordel. Oh. Gros peupon. Carrie, regarde ça. Tyson n'est jamais venu ici. C'était une discussion vidéo. Merde. On peut se reconnecter? C'est Skype? Oh merde! C'est vous qui les avez conduits ici? Pas vrai? Désolé, mais c'est toi le connard qu'ils essayaient de buter. Salut, Tyson. Eh hey, merde. Ça s'arrange pas. Eh, hey, ton pote tape s'est barré. Je crois que tous tes hommes sont morts. Merde! Oh, qu'au début, hein, je viens de commencer. Écoute. Faut quand même faire filer une bonne ribambelle de pistolet. Des fois, je leur filais de la cam, c'est tout.
Qui essaie de te tuer, Tyson? C'est pas le genre de truc où t'es prévenu à l'avance. Pour essayer d'arrêter des suspects, j'essaie de débloquer le plus d'armes possible. Désolé, mais j'y crois pas. Et merde. Maintenant. Tyson est foutu si on le trouve pas en plus. Attendez, pour compléter mon deuxième. On a besoin de tracer une connexion IP sortante. 13, le traçage est en cours. Et on est connecté. Donnez-nous quelques minutes, 13. Bien compris. On y va. Ça va prendre plus que quelques minutes. Donc on sait ce que faisait Tyson. Mais on n'a aucune idée de l'endroit. Oh, c'est plus un fusil à pompe de Kyra, hein. C'est pas vraiment un fusil à pompe de flic. Arrête-toi tout de suite! Pas que la police s'intéresse à nous! Hé! Hé! Faut que ça chopez-le! Les suspects ouvrent le feu! On attaque! Reçu, 13. Faites attention à vous. Tuez-le! C'est mieux, et un peu plus gros, en plus chier dans le coffre maintenant. Dépêche, entre! Inspecteur Dao, on vous a trouvé l'endroit. Merci PC, envoyez l'info. Ton pote Tyson n'a pas idée de ce qui va lui tomber sur la gueule. J'envoie une unité sur place. Dès qu'on arrive là-bas, on le chope et on se barre. Enfonce la porte, Mendoza. Tu sais que t'es censé avoir un mandat? Tout doux, les mecs. C'est bien, t'as révisé ton code civil, à ce que je vois. Écoute, on vient pas de coffrer. Il faut partir, tout de suite. Je vais chercher mes trucs. Hé, hey, ça te ferait rien de nous dire ce que c'est que ce bordel? Vous savez ce que je fais toute la journée? Des comptes. Ça fait longtemps que je traîne plus dans la rue. Tout le monde agresse tout le monde maintenant. Je suis toujours du mauvais côté de la barrière. Voilà ce que je sais. Bon, on parlera de tout ça plus tard. Oh, merde. J'ai touché. Bon. C'est grave ou pas? Putain. Oh putain. Ok. Je maintiens la pression dessus, d'accord? Oh, oh, bordel, ça fait mal. Je sais. Tiens le coup. On n'est pas là pour vous, les flics. Je vais nulle part. Foutez le camp! On est Tyson! Kai, reste avec moi. Merde, Kai. Putain.
Pareil, tiens bon. Concentre-toi sur eux, d'accord? Un flingue! À terre, tout le monde à terre! On est flic, on est flic! Elle est blessée! Je crois que ça a touché une artère. Vous avez de la chance de ne pas vous être vidé de votre sang. Main en l'air, tout de suite! Bonsoir à vous aussi. Inspecteur, vous connaissez cet homme? Qui? Lui? Ouais, c'est un comptable d'ici. Ce qu'il me faudrait, c'est ce que le mec ait du SWAT. Ah, ça, ça serait très bien, une petite UMP silencieuse. Bon, bah, épisode suivant. Ouais, j'espère que ça va être un peu plus long, les levels, parce que bon, ça a l'air un peu... Pour l'instant, j'ai l'impression de jouer phase un peu cinématique. Laissez-moi un peu jouer, s'il vous plaît. Laissez-moi un peu conduire une bagnole aussi. Ok, il y a deux suspects spéciaux à trouver. Volker Gary. Non, j'ai pas le permis, mais bon. Choisir mon équipement. Encore deux corps repêchés dans la baie de Manatee. Il devrait les utiliser, comme bruit. Mendoza, j'aimerais vous voir une minute. Oh, chaud devant messieurs dames, jeune inspecteur pressé. On dirait Michael Madsen. Ah oui. L'inspecteur Daou reprend du service aujourd'hui. Le gars dans le fauteuil, enfin le gars dans le fauteuil qui t'a fait un coq. Ça va? J'ai arrêté le baseball, mais ça va bien. Mendoza, la coke que Stoddard et vous avez saisie vient de Colombie. En passant par la mer. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Tout passe par le... Oh, la PS3, c'est encore de la belle technique d'animation. Qu'est-ce qu'il en pense ? Monsieur Latchford, contre toute attente, a un excellent représentant juridique. Venez. Voici Léo Ray, surnommé Stingray, grossiste du cartel. Hier, il a appelé mon bureau. Il dit détenir des informations à propos de la guerre, de la drogue qui déchire Miami en ce moment. Alors, il faut faire venir Léo ? Mais en toute discrétion. Le seul à être au courant de tout ça, c'est moi. On ne sera pas plus en sécurité ici qu'on ne le serait dans la rue. Mettre en pause. Est-ce que c'est clair? Oui, chef. Bien, alors à vous de jouer. Deux bottes. Enfin, deux trucs à la con pour vendre des merdes. Pas des gâches. Tu crois que Dawes a raison pour cette histoire de rire? Je crois que si Dawes est inquiet, on devrait l'être aussi. Je pige pas. Tu piges pas? Sérieux?
du gameplay, s'il vous plaît, parce que là, on fait que cinématique, trois pas, cinématique, trois pas. J'appuie sur la pression de la chinoise. Et je tire avec un revolver en mode high shooting. Ah, ça, je regarde Training Day. Hein. Des gorilles, Léo ? C'est pas malin, ça. C'est qui, lui ? Je l'ai trouvé qui allait au zoo. Il aime les espèces en voie de disparition. Non, mais c'est quoi cette gonzesse ? J'avais demandé Dose. Et Dose nous envoie. Le prochain coup de fil, ça a intérêt à être Dose. Pour me dire où et quand on va pouvoir discuter comme on était censé le faire. Je viens pas servir de larbin à des cons de flics pourris. Il me faut une vraie protection. En fait, c'est pas banal, ça a deux bottes d'un coup, cette fois au même endroit. T'as qu'à me laisser ça. Doucement, ma petite dame. Hey, il paraît que t'as serré Tyson Latchford. Il y avait du passif entre vous deux. Quel genre de personne ferait ça? Garde tes discours pour Dose. Stinger, qu'est-ce qu'on fait? Va dire à ton boss que je lui servais tout sur un bateau et que t'as tout foutu en l'air. File-moi le sac, Léo. Où je descends ce type? Léo, bon Dieu! Hey, c'est ouvert! Guys, c'est qui ces mecs, bordel? Les gens qui s'arrêtent, Léo. Par ici! T'as aucune chance de t'en sortir, Léo! Pressé! Très bon, cet assaut! Ne laissez pas entrer! Il se relèvera plus. Je suis là pour t'aider! Léo, putain, arrête de courir! Mec, y'en a d'autres qui rappliquent! Ouais. Je vois Kai. Allez, ok, Léo n'a pas traversé la piste. Donc il doit pas être là. Il est loin dans le garage. Vérifiez les corbeilles. Les mains en l'air. Bien tenté, Léo. On se calme, mon pote. Personne t'en veut, Léo. Ne bouge plus. On fait que traîner. Doucement, mec. Bouge plus. Ok. Vous voyez ce que je merde. Hé, hey, par ici. Attention. Attention.
rapide qu'il en a l'air. Cet hôtel doit avoir une salle de surveillance. Je vais le chercher avec les caméras. Ok. Tiens-moi au jus. Il a filé tout droit. Enfermez-vous et baissez-vous. Allez, barrez-vous de mon chemin. Guy, il arrive de la piscine. Oh, je sais pas, c'est totale découverte pour moi, hein. J'essaye de profiter. Ouais, les premiers chapitres ont l'air d'être un peu très dirigistes sur les bords. Il y a un paquet de civils dans le coin. Va dire ça au connard qui tire dans tous les sens. Ça change l'ambiance un peu armée et tout ça. On voit qu'ils ont essayé de sortir un peu du circuit traditionnel. Bon, j'ai trouvé la salle de surveillance. Continue à avancer et t'arriveras dans le hall. Léo est là-bas. Ok, je m'en occupe. Je l'ai repéré, Nick. Il est au premier, au-dessus du hall. Il se déplace. Il est dans un des bureaux. Nick, il y a d'autres types qui se dirigent vers le hall. Monte à l'étage, mais évite de te faire voir. Ouais, je ferai gaffe. Dispersez-vous et trouvez Léo. Rémi, on est dans la merde. Un flic a déjà descendu la moitié des hommes. Et on sait même pas où il est. Ni Léo, ni rien. J'aurais voulu m'arrêter au nez. Stop! Garde Clément en l'air! Voilà, j'y joue comme d'habitude en direct des serveurs. Kai, où est-ce que t'es ? Des serveurs Sony. Je monte au bureau dont tu me parlais, Kai. Par contre, cette nuit, j'ai téléchargé des jeux. J'ai installé Doom de 2017 sur ma PS4. Ce soir, on continuera Until Dawn. Tyrolienne, lol, ça c'est du matériel de flic ça. Ah bah le Doom sorti en 2017, le tout dernier avant Eternal. Lui qui a l'air bien jouissif. Un grappin, renfort blindé, putain. C'est du matos de flic ça, attention. Et on fait partie, on est aux brigades des stupes, hein, je rappelle.
jamais mouchardé. Mais t'arrives avant moi, toi. Hey Kai. Je veux plus entendre un mot au sujet de ce signe. Arrête. Chose. Canal. Merde. Kai. Mais putain, on a la moitié de la racaille de Miami qui nous tire dessus, et toi tu dérouilles Léo. Tu vois quoi, là? Non, mais ça, c'est celui qui se passe après... pas le BFG édition, mais c'est vraiment Doom 4. Léo a besoin de protection. Alors on peut y aller. Lui qui est sorti sur PS4 et PC en 2017. Alors aide-le, toi, putain. Hey, c'est toi qui l'as mis dans cet état, pas moi. 80 gigas quand même que j'ai dû me taper de téléchargement. Allez, on y va. Je vous suis. Je vais où vous voulez. Faire sa fameuse protection à dose. Léo, c'est qui ces types? Tu l'interrogeras plus tard, Mentosa. On se casse, allez. Hey, inspecteur. Prends-le. Je pense pas qu'avec le tout petit pompe de... Avec le tout petit pompe de gang, je pense pas que j'aurais tué... Je les aurais tués comme ça. Ce truc, Léo est à bord, fonce! Quand je pense que t'as dit que ma dernière mission était un vrai merdier. Allez, roule! On tient Léo, où est-ce qu'on le conduit? Ça chauffe pas mal ici, chef. On arrive par la route surélevée, on est en tout terrain. Pas moyen de nous rater. Ok, ça marche. Il est en rogne. Moi, je suis en rogne. Bon, bah où alors? Il nous retrouve de l'autre côté du pont. Accroche-toi! C'est Dose. Quoi, dans un hélicoptère? Léo a plus d'importance que tu l'imagines. Attention! Merde, accélère à fond. Voilà Dose. Inspecteur, vous savez, j'ai appris deux choses aujourd'hui. D'une, vous êtes des as de l'impro. De deux, vous êtes pas foutu de rester discret. Ces enfoirés savaient où se trouvait Léo, chef. L'un de vous deux veut bien me raconter ce qui lui est arrivé? Ça secouait pas mal dans le camion, capitaine. Léo n'avait pas mis sa ceinture. Ça doit être ça. Allez, relevez-le. Léo était déçu de ne pas vous rencontrer en personne, chef. Mais j'ai l'impression qu'il faut le mettre en détention préventive. C'est ce que je conseillerais aussi. Et vous, inspecteur, hein? Vous êtes... Ah ouais, bah ça, c'est vieux jeu avec Windows 10, hein. Pour ça que je rencontre le même problème, hein, il sait rien. Oui. Moi, j'ai essayé de faire fonctionner Mafia 2 après cette nuit sur la version Steam. Je vais l'emmener dans comme avant que j'avais le PC défectueux, j'ai eu un 30... Au bout de 30 minutes de jeu, plantage effectif. C'était quoi ce bordel? Et même plantage que j'avais eu avant le PC défectueux. Donc Mafia 2, ça sera sur le PS Now aussi. Oui, mais laquelle au juste? Voilà. Une qui nous aide à comprendre. Au final, cette formule fonctionne mieux que je plutôt que nous casse la tête à essayer de faire fonctionner les jeux Steam. Par exemple, chez Fardezal, j'ai gagné la anthologie Alone in the Dark. Je ne sais même pas s'ils fonctionneront correctement.
Il gagnait les vieux Alone in the Dark qui tournaient sur Pentium. Là. Alone in the Dark 1, 2, 3 et une version et Inferno, le un des tout derniers sorti sur 360 qui est un peu plus récent. Parce que j'ai trouvé qui était derrière la photo cachée. Épisode sûr. Vous vouliez me voir ? Asseyez-vous, Mendoza. Je vais faire quelques changements pour vous deux. T'inquiète, il va pas te coller à la circulation. Non, pas tout de suite. Donc, Léo, notre cher ami, nous a dit ce qu'il savait et il est reparti tranquillement. Il voulait pas de notre protection, alors ? Dites à Nick ce que Léo nous a apporté. Des ballots de drogue. Sans déconner. Les avions volent, les drogues tombent, plouf, dans les Everglades. Montrez-lui. Une carte de pêche. Qui a monté l'opération ? Un connard du nom de Rémy Nels. Il y a encore 2 ans, ce Nels n'était rien d'autre qu'un petit point sur le radar. Aujourd'hui, il dirige toute l'organisation qui a employé Tyson Latchford. Il a l'air d'un mec ambitieux. En effet, je veux que vous rappliquiez dans ce trou boueux... J'ai jamais eu autant de jeux, je me sens riche en fait. Pour découvrir à quel point il l'est. Je me sens pas rongé par l'ennui. Mais je comprends pas pourquoi Léo... Est-ce que là, en voyage, on découvre de vrais petits trucs que je n'avais pas découvert... Que je n'avais pas découvert comme ça, et ça c'est chouette. Ce sera tout. Plein de jeux qui m'étaient passés sous le nez depuis des années, j'ai l'impression de rattraper des années de retard. Je dois vous parler. D'accord. Votre équipier est une vraie tête brûlée. Elle croit en ce qu'elle fait, chef. Bonne réponse. Assieds-toi, fiston. Ça risque de nous retomber dessus, ce qui s'est passé à l'Elmore. Brutalité, etc. Ah, c'est chouette. Toute la situation de ce mois-ci, c'est nickel. Je me sens moins, comment dire, volé que ce que j'aurais acheté à la chachette des gens en version boîte en magasin. Excusez-moi. Je suis sûr qu'elle a enduré pas mal de choses pour te faire sortir de Cuba. On ne devient pas inspecteur à ton âge sans que ton passé soit examiné à la loupe. Et ton passé est plutôt chargé. Chef, je... Ah, c'est rien. Je sais ce que c'est que d'avoir un connard comme père, moi aussi. Ça m'a pris du temps pour trouver mon chemin. Tu es... sur la bonne voie, fiston. Alors reste-y. On sent une ambiance un peu que les flics sont pas totalement blancs, hein, qu'il y a de la corruption. Qu'est-ce qu'on fout dans le bayou ? C'est quoi cette carte pourrie que Léo nous a refourguée ? L'échelle est complètement faussée, mais c'est censé être là. Il l'a filée à dos sans se faire prier. Comme ça, gentiment. Oui, ben, gentiment ou pas, elle est merdique, franchement. Il y a un truc que je capte pas. Qu'est-ce qu'il a à y gagner ? Il y a forcément quelqu'un ou quelque chose qui met la pression. Léo tient à ce qu'on sache que quelqu'un balance cette cam. Histoire qu'on élimine ses concurrents. J'ai raison. Léo sait qu'il est grillé à Miami. Ma main a coupé qu'il est en train de monter en ce moment même un labo de stup dans l'Iowa. Au fait, est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'a pris de lui foutre une raclée pareille ? Léo me faisait vraiment chier. Je voulais qu'il se calme un peu. Ouais, mais la police des polices aussi aurait pu te faire chier. T'y as pensé à ça ? Ah, voilà. Rapproche-nous du point de livraison. Ouais, mais en Belgique, ils abusent un peu quand tu... Les trafiquants suivent leur magasin où je vais, 30€ encore pour des jeux d'occasion. Alors, je voudrais acheter, comme je t'ai dit, Ghost Recon Wildlands, c'est 30€. Là, les 30€, je les ai plus, moi aussi. Quelqu'un va venir récupérer tout ça. À l'époque où les cartels passaient la drogue par Miami, les marais grouillaient de trafiquants. Aujourd'hui, ça m'a un peu plus rincé. J'étais faire des courses. Faut espérer que non. J'étais faire des courses pour essayer de tenir un peu. Il fallait remettre de l'essence dans l'auto.
J'étais tout môme à l'époque, j'ai vu un tas de saloperies. Ils s'encoignent. Il y a des alligators. Pitbull avec la gorge tailladée. Comment ta mère a fait pour t'empêcher de passer? C'est peut-être un peu banal. Elle travaillait beaucoup. Et elle m'aimait. Oui, banal en trop, mais. Le fils pour un seul maman. J'aurais jamais cru. Ce paquet pèse au moins 10 kilos. L'Amérique aime la fête. Je dis juste que c'est pas des amateurs qui font ça. Doz nous enverrait pas ici si c'était le cas. Mettons que les cartels se servent encore de Miami pour faire passer la cam. Ça leur servirait à quoi? À mon avis, le Mexique est devenu trop dangereux. Les trafiquants de base risquent toujours la prison, mais pas de se faire décapiter par le premier truand venu. L'Amérique aime la fête, en effet. Et au fait, c'est pas rien que Doz nous ait mis sur l'affaire. Ouais, pour l'instant, j'ai pas trouvé moins cher que 30. Le problème, c'est qu'avec ce qu'on fait, on pourra rien présenter pour un juge. On s'en branle. C'est plus marrant comme ça. Et au fait, le capitaine Doz, c'était une vraie terreur quand il était jeune. Ouais, c'est ce qui paraît. C'est quand même un peu risqué de bosser comme ça. Un petit conseil. Tu veux être le chouchou du capitaine? N'y va pas par quatre chemins. Alors c'est comme ça? Faut se la jouer à la cow-boy. Tu commences à piger. Chier, je commence à m'endormir. Et quelle heure? 1h17 de live. Parachute. Cette mission, je pense que je m'arrêterai là. C'était un petit live, mais je m'attendais pas à m'épuiser comme ça. Y a pas à s'en faire. Ils ont plus la trouille de nous que l'inverse. Dormir debout. Petite gunfight pour me réveiller, s'il vous plaît. Allez, lui mettre, il fallait mettre ton pouce dans le cul du croco. Ça, rien. Ça va. T'as le droit de dire merci. Ok. Merci. On devrait peut-être rester sur la piste. Ça fout de nous l'inverse, hein. Ouais, en tout cas, sortons de l'eau. Sur cette plateforme. Essaye avec ce grappin. Je l'ai emprunté au SWAT. Ah ouais, d'accord. T'as jamais utilisé un grappin de ta vie? Non. Lance le grappin vers la plateforme. Appelez-moi Batman. Sont des vieilles plateformes d'observation pour les touristes. Ça va, Kai? Comment va l'épaule? Ça me fait un mal de chien. Ah, Rakuten, ouais. Je connais pas le site. Je vais checker. C'est très important, ma santé avant tout ce mois-ci,
Et je me suis planté dans mes dosages de mes drôles, donc tu vois, j'ai pris. Je devais réduire les doses à partir du 9, donc j'ai 8 jours de mes drôles qui est. Donc je vais aller racheter une boîte. Et... je sais pas comment je vais faire pour la racheter. Bien préparé. Vise ces planches, c'est un bon point d'accroche. Dans le mille. C'est 8 jours que je prends une dose trop haute, logiquement que j'aurais pas dû prendre. Trop de soucis en tête. Et que j'avais pas lu le petit paragraphe sur la feuille à la con. Qu'est-ce que dit ton scanner ? Scanner, c'est de la merde, il marche une fois sur deux. On a de la compagnie. Je dois s'occuper de ramassage. Ouvre l'œil. C'est qui ? La maison. On travaille tous pour Nelf. Rémi s'occupe bien. Et je veux le mec qui s'appelait Merguez, Louis. Moi, je m'occupe de moi-même. Fais comme tu veux. Ok, je dois arrêter. J'en ai arrêté un vivant. Tu crois qu'il va parler ? J'en merde. Je commence à capter le principe. Ah ouais, ça bon. Ah, je laisse mon frère faire mes achats et puis moi je rembourse en liquide. Tu sais, Nel, ça jamais. Mais tu es personne. En tout cas, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça que j'ai pas vraiment peur. On embarque juste quelques kilos pour notre gueule. On n'est pas trop gourmand. Bouge plus, tu restes où tu es. Espèce. Bouge plus, tu restes où tu es. Ouais. C'est dégagé. Apparemment, ce paquet a loupé la cible. Il stocke quoi dans ces tonneaux ? Ouais, bah, ça ira mieux le mois prochain. C'est jusque-là. C'est vraiment pas le mois. Ça, je suis sur une vente, je vends une PS4 que j'ai en trop. Je la vends vite parce que comme la PS5 a été annoncée, c'est pour pas perdre plus. J'ai un jeu PS4 à vendre aussi, donc ça devrait aller assez vite. J'espère le vendre avant pour sur le mois ici pour être tranquille. Ah bah. C'est génial, ça commence à se montrer généreux. Oui, pour le plaisir de Hysteria, on va tester celle-ci. J'ai un peu mieux. Je t'ai trouvé une fréquence 120
points, 13. Ça donne quoi? Oh. Vise-moi tous ces jolis points lumineux, partout sur le lac. On n'a qu'à prendre un bateau pour aller voir. J'ai pas d'accessoires, évidemment, ça m'aurait arrangé. Demander des renforts? On n'est pas vraiment dans notre juridiction. Trouvons Nels d'abord. Il est plus ambitieux que je pensais. Comme tous les sacs à merde de gens. Tu sais ce qu'il faut juste la trouille dans cette guerre de la drogue? Le vainqueur aura du fric et des flingues à plus savoir qu'en faire. Ouais. Et une fois qu'ils auront fini de s'entretuer, ils s'en prendront à nous. C'est reparti comme dans les années 80. C'est pour ça que Dose veut y mettre un terme tout de suite, avant qu'on en arrive là. Alors si on doit sortir un peu des clous, ou même, carrément, ça me dérange pas. Ça sauvera des vies. C'est pas faux. Alors pourquoi t'as pas l'air convaincu? Parce qu'il va se passer quoi au final? Pour en finir avec les gros poissons, les parrains, et pour que ce soit définitif, il va nous falloir bien plus que des armes à feu. J'en sais rien. Et toi? C'est un jeu dangereux, inspecteur. Tant mieux. C'est le jeu que je préfère. Avoir une vue d'ensemble depuis le château d'eau. Scanne les environs avant qu'on s'approche. T'en sors avec ce truc, c'est pas réparé tout seul. On n'est pas tout seul. Scanne pour chercher les alarmes. L'alarme va rameuter du monde, sauf si tu la désactives. Ce que je me demande, c'est ce que Rémi aurait fait. On peut y aller discrètement ou foncer dans le tas. C'est toi qui vois. Ils finissent toujours par t'avoir, au moins pour fraude fiscale. Et regarde ce qui est arrivé à Tyson. Il y a pas mal de monde. Qu'est-ce que t'en dis? On avance. Discrètement. Si Rémi croit que ce grand méchant loup va l'aider à tenir la baraque, il se fourre le doigt dans l'œil.
quoi, ces types? De la cam, du fric ou des flingues. Il suffit de fouiller pour le savoir. On dirait un vrai truc de scientifique. Rien à voir avec un truc de drogué, quoi. On va garder deux pour tester la P90. Très roots, leur matos. Au moins, on est sûr que ça capte ici. Ce vieux beeper de merde. Rendez-vous dans un stade un peu plus tard. Le stade le plus proche se trouve à Miami. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit ça. Bon, il est temps de continuer. Ouais, les grosses lunettes sur les... Glock avec compensateur, ouais, ça peut être sympa ça. Il y a quoi dans cette enveloppe? Un truc que je devais scanner que je n'ai pas fait. Ah si, ouais. D'autres endroits à inspecter. Ok, on retourne au bateau. Ça se tient que les cartels reviennent dans les Everglades. C'est grand. Bon, pour l'instant, tout ce qu'il nous faut, c'est trouver Nels. Tu penses que Nels bosse avec les cartels? Non. Les cartels ont leur propre réseau. Là, c'est quelqu'un d'autre. Bon alors, tu sais quoi sur Nels? C'est un bourge qui a lâché l'école de cinéma. Il a commencé en cherchant à financer un film avec de l'argent sale. Laisse-moi deviner. Bah, le drogue dans la cabane, hein, j'ai pas vu. Non, il l'a fait. C'est de la merde. Franchement, cette schlag est de ouf. On va s'arrêter pour le fouiller. Hey Kai, j'ai une question à te poser. Ouais, quoi? Entre toi et Tyson. Hein? Ça? Tu sais, une fille, ça a parfois des rencarts. T'es sorti avec Tyson? Je l'ai rencontré en soirée. On est sorti une fois ensemble. Enfin, deux. Officiellement deux. Attends. T'es sorti avec un dealer de coke? Courtier en coke. Il s'est aperçu quand que t'étais flic? Quand je me suis aperçu qu'il était courtier en coke. Écoute, t'es pas forcé de me croire, mais c'est un mec bien.
quoi encore cet endroit? Aucune idée. Va au moulin avant, qu'on ait une vue aérienne. Reste à l'écart tant que t'as pas scanné la zone. Écoute, je ne dis pas qu'il faut faire quelque chose. Tout ce que je dis, c'est que je vais à l'église ce dimanche et qu'elle m'accompagne. Il y a un acheteur qui se pointe. Et alors? Alors faut qu'on ait l'air de pro. Je veux des patrouilles, par groupe de deux, au boulot. Ils s'étaient donné rendez-vous. Là, ils se dispersent. Approche-toi un peu. Oh là, je vais être aux toilettes. Il me passait peut-être un coup d'eau froide pour au moins finir la mission, parce que là, je vais pas y arriver. J'arrive. Voilà, on est reparti. On devrait passer pour la suite de la mission. Il nous reste à coffrer Belle Thomas. Allons coffrer Belle Thomas. Entouré d'une petite armée de gars peu recommandables. On s'en aura un peu plus de liberté, j'ai l'impression.
Putain, comment on passe de la ville au bayou en 2-2. Y'en a d'autres qui doivent venir cette semaine ? Rémi a parlé de 2 ou 3 avions par jour. Putain. Ne bouge plus ! Putain, ça a foiré. C'est loin de tout, accès facile à la mer et à la terre ferme, et des putains de... Comme il répond, putain. Je connais la règle. Vous êtes quelqu'un prêt à un... C'est les hommes de Nels. Tiens, réponds-leur. Comme il répond pas. Grouille. Hé hey. Non, tout va bien. Et celui-là? Bon, c'est qui, là? C'est Antonio. Et il est où, Tommy? Ah, il est en train de chier. Classe. Il doit aller au rendez-vous. Nels, dit que c'est l'heure. Ça marche. Il doit aller où? Crédibilité 0. Une conversation sympa. Ce rendez-vous sur son téléphone. C'est avec Nels. Il a dit qu'ils allaient... Le Miami Aquatic Stadium est fermé depuis un bail. Ça doit être le point de rendez-vous. Allez, on se bouge. Quel âge pour un flic, c'est pas trop le... Oui, sur les cadres, en fait ça te permet de te ravitailler, je pense, assez vite. Parce que comme tu vois, t'as un nombre de balles très limité que tu peux emporter. À mon avis, ça peut vite dégénérer. C'est quoi ce bordel? Il se passe... Défoncez-le! C'est pas coopératif quand même. Alors, je voulais ramasser la UMP-45 pour la débloquer, mais... Il me l'a sucré pour les munitions. Le stade est un peu au sud d'ici, accroche-toi! Ouais, c'est Division 2, je l'ai, mais j'ai stoppé à un moment. J'aurais essayé d'y rejouer, mais bon.
Je fais tout le jeu tout seul. J'ai débloqué ma classe légendaire et tout. J'ai eu quelques démêlés avec une commune débile. Enfin, un clan débile qui m'a proposé de rejoindre. Ils ont joué un jour avec moi. Ça, j'ai été complètement ignoré. Et quand j'ai voulu à un moment demander si je pouvais joindre, et ben, ils m'ont giclé de la commune. Ils m'ont giclé du Discord sans raison, sans une explication. Vu qu'on a changé de chapitre, je vais m'arrêter. Enfin, on est passé à un autre level. Quitter le bayou. Bah écoutez, moi je vais... Ouais, je suppose que ça sauvegarde tout seul. Ça reprendra au prochain check. Voilà, écoutez, moi je vais vous laisser là, je vais me reposer un peu parce que je m'endors debout en fait. Alors, je reviens ce soir avec Until Dawn. On va continuer le finir. Première découverte sur Battlefield Hardline. Si je serais pas fatigué, peut-être que j'apprécierais mieux. Mais là, je viens de me fatiguer, donc je sais pas comment je vais me rendre. Et voilà, tout simplement. La campagne m'a sympa, enfin ça a l'air sympathique, ça démarre bien, en tout cas je sais pas combien d'heures de campagne il y a. Ça change du lot, ça change de tout le temps le thème de l'armée, tout ça. Voilà. Seria, je te souhaite la bonne fin de journée. Je reviens après mon jeu. Oh, bah, il est déjà 4h11, donc c'est pas plus mal que je m'arrête. J'aurais quasi presque fait les 2h. Et demain matin, suite de Hardline.